leur manager, Philippe Saint-André. Si vous ne gagnez pas, je m'en vais. Voilà l'ultimatum qu'il a laissé aux joueurs juste avant cette rencontre. Oui, une chaude ambiance, effectivement. Bonsoir à tous, avec forcément de la tension, de la pression, mais surtout quand même de la concentration. Car si les résultats se font désirer, Montpellier a tout de même des arguments pour aller décrocher sa deuxième victoire à l'extérieur. Mais les visages, vous le voyez, sont fermés avant le match, car la victoire est obligatoire. Et puis ça commence mal, avec juste avant le coup d'envoi, eh bien la blessure aux adducteurs de Benoît Payoc. Deux équipes en plein doute, ça se voit en début de rencontre, avec pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part quelques glissades, comme vous le voyez. Bref, on s'ennuie ferme pendant les 25 premières minutes, comme le prouvent les visages de Philippe Sella, de Jean-Baptiste Elissade ou encore celui du manager de cette équipe de Montpellier, à savoir Philippe Saint-André. Il faut attendre tout simplement la 27e minute pour voir une sortie pas forcément propre de mêlée, mais un Cobus Reina qui fait le tour de la défense à Genèse, qui accélère, qui glisse à son tour. On pense que l'action une nouvelle fois va avorter, mais c'est Caleb Timou, le troisième ligne international australien, qui plonge dans l'embut à Genèse pour marquer le premier essai. C'est Montpellier qui reste sur une victoire lors des 9 derniers matchs, qui ont besoin de se rassurer. On sent quand même que les appuis ne sont pas francs en début de rencontre, mais toujours est-il que cette équipe de Montpellier mène 8-3 après cet essai de Timou sous les yeux de Payoc, qui va voir tout simplement la réaction immédiate de la part des Agenais. Il y a beaucoup de vent, les Agenais jouent avec ce vent, on voit que ça piège les Montpelliérains, et derrière, sur ce ballon de récupération, c'est Clément Martinez qui vient sécuriser, qui attend le soutien. Un ballon relevé par Camille Girondeau en position de demi de mêlée. Tout de suite, Agen va chercher l'extérieur avec Vaca qui allonge la passe pour Mathieu Lamouli. Mathieu Lamouli qui n'a plus joué avec Agen depuis mi-novembre, mais qui trouve à l'extérieur le jeune Fidjien, ancien des espoirs de La Rochelle, Railevu, Tevita Railevu, qui marque un essai qui permet à Agen de virer à la pause 13-8. Une pause pendant laquelle Philippe Saint-André est ressorti vite des vestiaires, pendant laquelle également Ouédraogo donne de la voix pour booster ses coéquipiers. Et l'entame de seconde période est plus à l'avantage des Montpellierains, en laissant un peu ragaillardi Montpellier, qui va surtout profiter des ballons de turnover, avec ici un ballon de Serfontaine pour Cobus Reinac. Montpellier réaliste sur ses ballons de turnover, avec cet essai de Cobus Reinac, son sixième depuis le début de saison, qui permet aux Montpellierains de reprendre l'avantage. Mais derrière, tout de suite, la garde et Agen va, grâce au pied, repasser devant pour un petit point, 16-15, avant cette offrande d'Hugo Verdu pour Aprazidze, qui est entré à la place du demi de mêlée sud-africain pour un saignement. On va tout de suite chercher les extérieurs, Duplessis en relais avec Lozovski, et ensuite c'est Thomas Darmon qui vient d'entrer, qui inscrit le troisième essai de Montpellier à l'heure de jeu. Ça permet à l'équipe de Saint-André de repasser devant dans ce chassé-croisé pour 3 petits points, 22-19. Ils sont en infériorité numérique à ce moment du match, puisque Serfontaine a pris un carton jaune. Mais Agen n'a pas joué pendant un mois, et ça va se sentir au niveau de l'intensité. Ils vont craquer physiquement en fin de match, avec notamment Tisseron ici qui profite d'un bon jeu au pied de Gabriel Gandebe. Un petit ballon par-dessus avec un rebond dont il profite, Julien Tisseron, l'ancien Bayonnais, titulaire aujourd'hui, puisque Himmelmann est blessé à l'arrière. Il va bien en profiter, Julien Tisseron, pour sa première titularisation depuis le 6 janvier, pour aller conforter tout simplement le bonus offensif de cette équipe de Montpellier, qui inscrit au total 5 essais et qui s'impose 39-19. Une équipe de Montpellier qui vient chercher tout simplement le bonus offensif. Les larmes de Julien Tisseron qui en disent long tout simplement, et qui prouvent combien Montpellier était sous tension. En tout cas, c'est la quatrième équipe à venir chercher un bonus offensif ici, après Toulouse, après La Rochelle, après Toulon. C'est donc Montpellier qui s'impose avec le bonus offensif à Armandie.